Commençons par la statique des fluides. Statique des fluides signifie que les fluides vont être au repos. Nous n'aurons pas de phénomène d'écoulement, ni dans une conduite, ni quoi que ce soit. Et donc, si ce sont des liquides, ils seront forcément dans des récipients, ils seront contenus dans des récipients. Et s'il s'agit de gaz, ces gaz seront enfermés dans des enceintes. Donc, considérons d'abord des fluides au repos. Et tout d'abord, revisitons un peu la notion de pression. La notion de pression peut se comprendre de la manière suivante. Imaginons que nous essayons de faire rentrer cette quille de bowling sur cette planche en bois à l'aide d'un marteau. Évidemment, cette mission est vouée à l'échec. Pour des raisons qui peuvent paraître évidentes, mais réfléchissons un peu. Pourquoi réellement, en tapant sur la quille, je ne peux pas faire rentrer cette quille dans la planche en bois, alors que si je réalise la même opération à l'aide d'un clou, ce clou va allègrement rentrer dans la planche en bois et je pourrai l'enfoncer. En fait, quand on réfléchit un peu, l'énergie qui est impliquée, c'est la même, je tape de la même manière, j'ai la même force, mais le résultat est très différent dans les deux cas. Qu'est-ce qui change dans les deux cas? C'est la surface d'application de la force. Dans un cas, la surface d'application fait quelques dizaines de centimètres carrés, c'est le fond de la quille, et dans l'autre cas, la surface est extrêmement petite. La pointe de mon clou fait une fraction de millimètre de côté, donc est extrêmement petite. C'est donc la surface qui est différente dans les deux cas. Donc en fait, pour décrire l'action que va faire une force sur un objet, il ne suffit pas de connaître cette force. Il faut savoir aussi sur quelle surface cette force va s'exprimer. C'est la notion de pression qui va nous donner ça. Précisons un peu les choses. Imaginons qu'avec le doigt, nous appuyons sur une surface solide. On appuie a priori, peut-être pas de manière perpendiculaire, avec la force grand F. Donc, sur cette surface solide, on appuie avec le doigt. La force grand F peut être décomposée en deux forces. Une force que j'ai appelée F taux, F indice taux, qui est tangente à la surface solide, et une force Fn qui est normale, donc perpendiculaire en fait, à la surface solide. La force F taux, c'est ce qu'on appelle le cisaillement, la force de cisaillement. Elle va tendre à faire glisser la surface solide. Je tends à la faire bouger parallèle à elle-même. Je tends à l'entraîner en exerçant cette force. Par contre, la force Fn, ce qui est la force normale, tend au contraire à appuyer sur cette surface solide. Elles n'ont pas du tout, les deux forces, Fto et Fn, n'ont pas du tout la même manière de s'exprimer. Fto ne nous intéresse pas beaucoup pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est Fn, la force qui est perpendiculaire, la force normale. En fait, si on divise Fn en newton, donc le module de la force, par la surface de contact, par exemple la surface du bout de mon doigt, disons 1 cm carré pour fixer les idées, si on divise Fn par S, la surface de contact, on obtient ce qu'on appelle la pression. J'exerce avec mon doigt une certaine pression sur la surface solide. Et cette pression s'obtient en divisant la force par la surface. Par définition, donc le scalaire P, c'est un scalaire, ce n'est pas un vecteur, donc c'est une grandeur qui n'a pas de direction privilégiée, qui n'est pas un vecteur, est appelée pression statique du doigt sur le plan horizontal. L'unité du système international de pression est le pascal. Si vous faites 1 newton sur 1 mètre carré, vous exercez une force d'1 newton sur une surface d'1 mètre carré, vous obtenez une pression de 1 pascal. 1 pascal est égal à 1 newton sur 1 mètre carré. Notons immédiatement que ce pascal est une toute petite unité comparativement aux pressions courantes. Un pascal, donc, c'est à peu près, puisque c'est un newton sur un mètre carré, c'est aussi approximativement la pression exercée par un verre d'eau, 100 ml d'eau sur un mètre carré. Vous prenez une surface d'un mètre carré, vous versez un verre d'eau dessus, qui se répartit bien sur ce mètre carré, mais la pression qu'exerce ce verre d'eau sur cette eau sur la surface est de 1 pascal. C'est une toute petite unité. Il y a d'autres unités qui ont été définies par commodité, comme c'était une petite unité pour exprimer la pression atmosphérique, par exemple, la pression atmosphérique était de l'ordre de 10 puissance 5 pascal. Donc plutôt que de manipuler des gros chiffres, on a préféré inventer
d'autres unités qui ne sont pas des unités du système international. Donc, hors de question, bien sûr, de mettre ces unités-là dans des formules de physique. Dans des formules de physique, il faut que ce soit des pascals. Les autres unités qui ont été inventées par commodité sont le bar. Un bar, c'est 10 puissance 5 pascals. Donc, une atmosphère, la pression atmosphérique. Une fois la pression atmosphérique, c'est 1,013 exactement, 10 puissance 5 bar. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère standard. Bien sûr, en fonction de la météo, ça varie. Ça peut être un peu plus ou un peu moins. Mais l'atmosphère standard est de 1,013, 10 puissance 5 pascal. Et donc, ça fait approximativement un bar, comme je le disais. Donc, le bar est très employé. Et dans les travaux dirigés, vous aurez beaucoup de pressions qui sont exprimées en bar. Il faudra prendre garde, dès qu'on les met dans une formule de physique, à le transformer, à retransformer en pascal. Historiquement, d'autres unités ont été utilisées, comme le tor. Le tor, c'est le millimètre de mercure. Un tor, c'est 133,3 pascal. Cette unité vient des baromètres, en fait, les baromètres à mercure qu'on utilisait beaucoup pour mesurer la pression atmosphérique, qu'on utilise encore d'ailleurs. Et c'est comme on mesurait la pression atmosphérique avec des colonnes de mercure, on avait défini une unité de pression qui était le millimètre de mercure. On mesurait la colonne de mercure qui était en équilibre avec l'atmosphère et on en déduisait la pression atmosphérique en millimètres de mercure, donc on appelait ça le tor. Il existe aussi le PSI dans le système anglo-saxon où les masses, les poids s'expriment en pounds et les surfaces en pouces carrés. Donc laissons tomber pour l'instant, je le cite uniquement pour mémoire. Une fois qu'on a défini la notion générale de pression, il faut s'avancer un peu vers la mécanique des fluides et définir la pression, ce qu'on appelle la pression statique d'un fluide. Qu'est-ce que c'est que la pression dans un fluide? Là, il n'y a pas de marteau, il n'y a pas de quille, il n'y a pas de clou. Mais par contre, dans un fluide, il y a des molécules et des atomes qui bougent dans tous les sens. C'est ces petits disques bleus que j'ai représentés ici. Avec leur vitesse, ils sont agités de l'agitation, la fameuse agitation thermique, et ils bougent dans tous les sens. Qu'est-ce que sera la pression à l'intérieur d'un fluide? Si on suppose que je définis, j'isole par la pensée une petite surface qui s'appelle ici DS, qui est représentée ici en bleuté, toutes les molécules et les atomes du fluide peuvent percuter, taper sur cette petite surface. Leur action combinée à toutes ces petites molécules, tous ces petits atomes, est d'exercer une force sur cette surface. Ces petits atomes ils vont pousser la surface avec la force que j'appelais DFN. Le vecteur représenté en rouge. Donc DS, c'est le petit élément de surface sur le fluide, et DFN, c'est donc l'intensité de la force exercée par toutes les molécules ou les atomes qui percutent mon petit DS. La pression statique, par définition, c'est DF que divise DS. La pression statique, c'est la force exercée par l'impact de toutes ces petites molécules sur ma surface DS, que divise DS lui-même. C'est ça, la pression statique au sein d'un fluide. Remarquons immédiatement que P, la pression statique, n'a pas d'action motrice au sein d'un fluide. J'entends par là que, grâce à la pression statique, on ne va pas faire rentrer un fluide en mouvement. Je m'explique. J'ai repris un petit DS ici, qui est au sein d'un fluide. Je n'ai pas redessiné, pour que ça soit plus clair, toutes les petites molécules et les atomes qui sont tout autour. Mais ce DS, il a des atomes d'un côté et de l'autre. Il y a des atomes qui sont plutôt au-dessus, qui vont faire la force DFN1, et des atomes qui sont plutôt au-dessous, qui vont faire la force DFN2. En fait, il va être percuté, poussé en quelque sorte, par les molécules, par le bas et par le haut, par les deux côtés. Quelle que soit son orientation, les molécules vont taper d'un côté et elles vont taper de l'autre pour faire deux forces qui sont opposées. Et donc, en fait, au finish, DFN, qui est la somme des deux, DFN1 et DFN2, eh bien c'est zéro. C'est-à-dire qu'en fait, les deux forces, DFN1 et DFN2, leur somme étant nulle, c'est le vecteur nul, par conséquent, DS ne va pas rentrer en mouvement sous l'effet des forces de pression. Et les forces de pression, il faut les voir comme des forces qui poussent sur toute surface, mais au sein d'un fluide, donc à l'intérieur d'un fluide, on ne fera pas rentrer ce fluide en mouvement. Si le fluide... Vous remplissez un récipient de liquide, par exemple de l'eau. Au début, en le remplissant, il y a des mouvements de convection un peu partout qui se sont formés. Mais si vous laissez l'eau se calmer,
Elle va s'arrêter, les molécules vont plus ou moins s'arrêter, et la pression n'exercera pas, ne peut pas exercer de pression, d'action motrice sur ce fluide. Alors, le raisonnement précédent concernait les forces de pression au sein d'un fluide. Regardons maintenant ce qui se passe pour les forces de pression sur une paroi. Quand mon fluide est à l'intérieur d'un récipient, qu'est-ce qui se passe sur la paroi de ce récipient? Voici la situation. Donc on va prendre une petite surface, que j'ai appelée ici, je l'ai appelée S, la surface. C'est celle qui est verticale en bleu, là, c'est une petite surface sur la paroi d'un récipient. D'un côté, les molécules de fluide, à nouveau, les petits disques bleus avec leur vitesse, là, agités de tous les sens, et qui vont pousser sur ma surface grand S. De l'autre côté, pour l'instant, on va dire, c'est le vide. Donc en fait, on suppose que le récipient est placé dans le vide. La force qui est exercée par les molécules à l'intérieur du récipient sur cette surface S peut se calculer comme étant F égale S que multiplie P. P, c'est la pression. Si la pression, c'est la force que divise la surface, la force, c'est la surface que multiplie la pression. Donc la force F exercée par les petites molécules qui sont à l'intérieur, c'est tout simplement la surface que je considère que multiplie la pression du fluide à cet endroit. Cas suivant. Imaginons maintenant que le fluide, on ait du fluide à l'intérieur du récipient, mais il y a aussi du fluide à l'extérieur. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment le cas général, celui-ci. Parce que, en fait, tous les fluides qu'on va considérer, on va les considérer dans le laboratoire. On va les considérer sur Terre et dans le laboratoire, et non pas perdus dans l'espace intersidéral. Et donc, par conséquent, il y a toujours des molécules de l'autre côté de la paroi. Au minimum, il y a l'atmosphère. De l'autre côté de la paroi, vous avez un gaz qui est de l'atmosphère. L'atmosphère, ce sont des molécules d'azote et d'oxygène qui s'agitent dans tous les sens et qui vont, elles aussi, percuter donc la petite surface, la surface S. Donc, dans ce cas-là, on a un fluide 1 à l'intérieur du récipient qui va provoquer la force F1. F1, c'est S fois P1, avec P1 la pression du fluide. Mais dans l'autre sens, il ne faudra jamais oublier que le fluide 2 va exercer une force F2 qui est S fois P2, avec P2 la pression au sein du fluide à l'extérieur du récipient. Par conséquent, la force totale, si je prends la force totale, ça sera la différence des deux. F1 moins F2, c'est-à-dire S fois P1 moins P2. En fait, il ne faudra jamais oublier que de l'autre côté des récipients, quand on calcule les forces de pression, de l'autre côté des récipients, eh bien, il y a l'atmosphère, et donc il faudra chaque fois en tenir compte. Quelques considérations intéressantes sur les pressions. La pression statique. La pression statique provient de l'agitation thermique des molécules. En fait, pression statique et agitation thermique sont reliées. L'une est la source de l'autre. C'est une force par unité de surface, la pression. Mais on va remarquer que c'est aussi une densité d'énergie. Puisque la pression est associée à l'agitation thermique, c'est une densité d'énergie thermique. La pression, c'est aussi la densité d'énergie thermique. On peut le voir par un jeu avec les unités. Prenons un pascal. Un pascal, un newton sur un mètre carré. On va multiplier en haut et en bas cette unité, au dénominateur et au numérateur, par un mètre. On a tout à fait le droit, ça reste la même grandeur. Donc en haut, je me trouve un newton que multiplie un mètre, et en bas, un mètre carré que multiplie un mètre. En bas, cela fait des mètres cubes, c'est un volume. Et en haut. En haut, c'est une force que multiplie une distance. Eh bien, une force que multiplie une distance, c'est un travail. C'est le travail de la force mécanique. Et un travail, c'est une énergie. Donc en haut, des newton-mètres, ce sont des joules. Et donc par conséquent, le pascal, qui est des newtons par mètre carré, c'est aussi des joules par mètre cube. C'est la densité d'énergie thermique. Prenons l'exemple de l'air atmosphérique, l'air que l'on respire. Comme la pression est de 10 puissance 5 pascal, ça veut dire que dans un mètre cube d'air, il y a 10 puissance 5 joules d'énergie thermique. Sa charge en termes d'énergie thermique est de 10 puissance 5 joules. Laissons-nous guider par cette remarque. Cette remarque que l'énergie peut se transformer en densité d'énergie. On a
de l'énergie d'un côté, de la densité d'énergie. Énergie thermique d'un côté, et de l'autre côté, pression statique, densité d'énergie thermique. Ce qu'on va faire, on va faire un bilan de toutes les énergies possibles sur un élément de fluide. Prenons un petit élément de fluide. Donc, c'est ce que j'ai représenté en bleu. C'est tout à fait virtuel, c'est tout à fait symbolique. Imaginons un petit élément de fluide. Ce petit élément de fluide, on va le supposer dans un champ de gravité G, le champ de gravité de la Terre, petit g ici, à l'altitude Z, donc j'ai fait un axe vertical pour mesurer son altitude, et on va supposer que globalement, ce petit truc, ce petit élément de fluide, est lancé avec la vitesse V, un peu vers le haut et à droite ici. Quels sont les différents types d'énergie qui sont à l'intérieur de ce fluide, de cet élément de fluide? En plus de l'énergie thermique, de l'énergie interne sous forme d'énergie thermique, il y a deux autres types d'énergie. L'énergie cinétique, EC est égal à 1/2 de MV2, M c'est la masse de mon petit élément de fluide, et l'énergie potentielle, MGZ, EP est égal à MGZ. Donc en fait, trois types d'énergie en tout. Il y a trois types d'énergie, l'énergie thermique dont on a parlé, énergie cinétique et énergie potentielle. Et donc par conséquent, on va faire le même raisonnement pour les autres types d'énergie que nous l'avons fait pour l'énergie thermique. Si je prends l'énergie que je divise par le volume, j'ai la densité d'énergie. Je prends l'énergie thermique, je divise par le volume, j'ai la densité d'énergie thermique. C'est ce qu'on appelle la pression statique. Je vais faire la même chose pour les autres types d'énergie. Je prends l'énergie cinétique, je la divise par le volume, donc EC est égal à 1/2 de MV2. Je le divise par le volume, on voit qu'on va faire apparaître la masse que divise le volume. La masse que divise le volume, c'est la masse volumique, ρ. Et donc, je vais obtenir une grandeur qui est 1/2 de ρV2, et je vais appeler cette grandeur la pression dynamique. C'est homogène à une pression, et c'est la pression qui est liée à l'énergie cinétique du fluide. Et je vais faire exactement la même chose aussi pour l'énergie potentielle. Je prends l'énergie potentielle MGZ, je divise par V, et j'obtiens la pression potentielle. La pression, la densité d'énergie potentielle qui est liée à l'énergie potentielle, ρgz. À nouveau, la masse s'est divisée par le volume pour me donner ρ. Par conséquent, je vais généraliser la notion de pression. En mécanique des fluides, on n'a pas une pression, la pression statique, comme dans tous les autres domaines de la physique, on en a trois. La pression statique, Ps, qui est liée à l'énergie thermique, la pression dynamique, 1/2 de ρV2, qui est liée à l'énergie cinétique, et la pression potentielle, ρgz, qui est liée à l'énergie potentielle. La somme des trois, Ps plus Pd plus Pp, c'est ce qu'on appelle Pt, la pression totale. Cette pression totale est très importante, et on la rencontrera à nouveau, en particulier lorsqu'on établira l'équation de Bernoulli, de conservation de l'énergie totale. Passons au cœur du sujet. Établissons le principe fondamental de la statique des fluides. Pour cela, on va commencer par considérer un cylindre fictif de fluide au repos. Je suppose que mon fluide est au repos et je vais découper par la pensée, c'est un cylindre fictif, et je vais faire un bilan des forces en fait sur ce système. Commençons. Donc, le petit cylindre, il va être placé dans un champ de gravité. Donc, j'ai représenté G, la gravité terrestre dirigée vers le bas, et un axe Z vertical ascendant, dirigé vers le haut, donc, qui va me permettre de mesurer les altitudes. Le voilà, mon petit cylindre. Un petit cylindre virtuel, donc. Il est entre la côte Z et la côte Z plus DZ. Il est placé verticalement. Une surface DS sur le fond du cylindre, une surface DS sur le sommet du cylindre, et ensuite une surface latérale, tout le pourtour, qui définit le cylindre. On veut faire un bilan des forces sur ce cylindre. Quelles sont-elles les forces sur ce cylindre? Il y en a au moins trois, les voilà. La première, on va commencer par du haut vers le bas. En haut, Fs. Fs, c'est en fait les forces, le petit s signifie supérieur. C'est les forces qui viennent par-dessus, les forces supérieures. Donc, les forces supérieures Fs viennent en fait du choc de toutes les petites molécules ou les atomes
du fluide qui vont taper sur ce petit DS et qui auront tendance à le faire descendre. On a une surface ensuite, ça c'est la première force, la force Fs. Une deuxième force, P, ben c'est le poids du cylindre. Le poids, je l'ai représenté au centre de gravité du cylindre, donc le poids P dirigé bien sûr vers le bas. Et la troisième force, c'est Fi, I pour inférieur, et donc c'est la force exercée par toutes les petites molécules qui sont au-dessous du cylindre et qui tapent sur ce petit cylindre, qui poussent sur ce petit cylindre. Alors, on sait que les Fs et Fi sont des forces de pression, donc il est très important de repérer la pression au fond et la pression au-dessus. La pression au fond du cylindre, à la base du cylindre, on va l'appeler grand P, et la pression au-dessus, puisqu'on est en Z plus DZ, on va l'appeler P plus DP. P plus une petite variation DP qui correspond à ce qui a augmenté ou diminué. A priori, à ce stade de la démonstration, on ne sait pas si DP est positif ou négatif, mais de tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera différent de P. Donc voilà le bilan des forces, en fait, le poids P, la force de pression supérieure, Fs, la force de pression inférieure, Fi, et puis les forces de pression latérales, j'en ai pas encore parlé, mais évidemment sur la surface latérale, la surface latérale du cylindre est entourée de fluide, donc les molécules vont aussi taper, vont aussi percuter cette surface latérale. Mais cette surface a la propriété, en fait, d'être symétrique. Par conséquent, les molécules vont autant taper d'un côté de la surface latérale que de l'autre côté. En fait, elles vont s'équilibrer. Toutes ces forces seront à résultante nulle et nous n'avons pas à les considérer ici. Elles s'équilibrent toutes. Regardons les forces qui s'exercent verticalement, c'est les seules qui nous intéressent ici, c'est les seules qui restent. Fi, Fs et P, eh bien, si le cylindre est à l'équilibre, c'est que la somme des trois forces, la somme vectorielle des trois forces, vecteur Fi plus vecteur Fs, plus vecteur P est égal au vecteur nul. Sinon, si Fi l'emporte, si Fi augmente, eh bien le cylindre va monter, si Fs augmente, le cylindre va descendre, et si P augmente, le cylindre descendra également. Les trois doivent être tels que, si on est à l'équilibre, la somme des trois va être égale au vecteur nul. On va faire une projection sur un axe vertical descendant. Donc je prends un axe qui est descendant, une projection de ces trois forces. Le poids va se projeter comme mg, le poids était dirigé vers le bas, donc il se projette comme mg. M, la masse m, on n'aime pas trop en mécanique des fluides, parce que ce n'est pas une caractéristique intrinsèque du fluide. Rho par contre, la masse volumique, c'est une caractéristique intrinsèque. Donc mg, je vais le transformer en rho fois v fois g. V, c'est le volume du cylindre, donc la masse, c'est la masse volumique que multiplie le volume. Et donc, ça va me faire rho Vg. Et V, je le remplace par son expression. V, c'est dz, la hauteur du cylindre, que multiplie ds, la surface de base. Le volume d'un cylindre, c'est la hauteur que multiplie la section de ce cylindre. Donc, la hauteur, c'est dz, et la surface de base, c'est ds. Donc, mon poids P, au finish, devient rho dz, ds, g. La force supérieure, la force qui s'exerce sur la surface supérieure, c'est la pression que multiplie la surface. Une force de pression, c'est une pression que multiplie une surface. La pression, c'est P plus dp, et la surface, c'est ds. Et comme la force est dirigée vers le bas, c'est P plus dp plus ds, P plus dp fois ds, pardon, sans, et c'est une grandeur qui est positive. Par contre, la force Fi, elle est dirigée vers le haut. Donc, par conséquent, on va avoir un moins qui va apparaître ici quand on le projette. Et son module, c'est la pression que multiplie la surface. Et la pression, sur la base inférieure, sur la base du cylindre, c'est P. Et donc, on a l'expression Fi est égal à moins PDS. Je rassemble les trois. Rho, DZ, DS, G, plus P plus DP, DS, moins PDS, est égal à 0, c'est l'équation d'équilibre. En arrangeant, le PDS va s'éliminer, il va me rester dp est égal à moins rho gdz. C'est l'équation fondamentale de la statique des fluides. La voilà. Alors attention, cette équation fondamentale de la statique des fluides, il faut bien retenir
que c'est une équation différentielle. On a nos petits éléments différentiels dp et dz. dp et dz sont des éléments différentiels. La PFS, le principe fondamental de la statique, est donc une équadif. Elle ne sera valable pour l'instant, elle n'est valable que localement. Elle me donne la petite variation de pression lorsque je fais une petite dp, donc lorsque je fais une petite variation d'altitude dz. Elle me dit comment varie la pression lorsque le z varie, mais elle ne me dit pas ce que vaut la pression partout, quel que soit z. Pour avoir p partout, comme pour toute équation différentielle, il va falloir l'intégrer. Il va falloir intégrer cette équation pour obtenir p là où je voudrais le calculer dans les problèmes qui vont se poser. Avant de l'intégrer, regardons quelques conséquences du principe fondamental de la statique. On peut déjà comprendre beaucoup de choses avec la forme différentielle de ce principe. Donc dp est égal à moins ρg dz. Première conséquence, les isobares d'un fluide homogène sont des plans horizontaux. En fait, les isobares, c'est-à-dire les lieux où la pression va être constante, dans un fluide homogène, eh bien, c'est un plan horizontal. Très simple à comprendre. Si dz égale 0, c'est le plan horizontal, ça implique dp égale 0, donc la pression est constante. Donc si l'altitude ne varie pas, la pression ne varie pas. Deuxième conséquence de ce principe, on comprend de suite que la pression dans un fluide va diminuer avec l'altitude. Ça, c'est l'effet du moins qu'il y a devant. Si dz est positif, c'est-à-dire si vous montez dans le fluide, eh bien, grâce à ce moins, dp va être négatif, c'est-à-dire la pression va diminuer. La pression, elle diminue avec l'altitude, elle diminue quand je monte, et elle augmente quand je descends dans un fluide. Toutes ces deux choses-là, ces deux conséquences, se voient directement sur la forme dp est égal à moins ρg dz, donc le principe fondamental de la statique sous forme d'une équadif. Regardons ce que cela donne pour des cas particuliers. Par exemple, commençons par le cas d'un fluide incompressible. Cas simple, mais relativement courant, ce sera le cas de pratiquement tous les liquides, on les considérera comme incompressibles. Incompressible signifie que la masse volumique est constante. Donc la masse volumique, elle est partout la même dans le fluide, quelle que soit la pression. Donc prenons un fluide, toujours symbolisé par cette espèce de haricot, en forme de haricot bleu. C'est mon fluide, et je prends deux points à l'intérieur, un point A et un point B. Le point A à l'altitude ZA, le point B à l'altitude ZB. Comme c'est un fluide incompressible, je vais noter ρ, la masse volumique de ce fluide. Supposons que l'on connaisse PA et que l'on cherche PB. Donc A et B étant dans le même fluide incompressible, je vais pouvoir prendre mon équation, mon principe fondamental de la statique, dp est égal à moins ρg dz, et je vais pouvoir l'intégrer. Il s'intègre très facilement, les variables sont séparées, d'un côté la pression, de l'autre côté l'altitude, et puis on a moins ρg qui sont des constantes. Donc ça va s'intégrer très facilement. Intégrale de A à B de dp est égale à moins, j'ai sorti le moins de l'intégrale, intégrale de ZA à ZB de ρg dz. D'un côté ça va faire PB moins PA, et de l'autre côté moins ρg ZB moins ZA. Ce qui me permettra de calculer, connaissant PA, et puis ZB et ZA, ça me permet de calculer PB, ça me permet de calculer comme ça, de proche en proche, dans un fluide, tant qu'on reste dans un fluide, on peut calculer de proche en proche les différentes pressions en regardant les différences d'altitude entre les fluides. Cas de plusieurs fluides incompressibles placés les uns sur les autres. Par exemple, ici, j'ai pris un récipient avec deux fluides, fluide rouge et fluide bleu, et donc je me pose la question de savoir quelle est la pression au fond de ce récipient, quelle est la pression en C. On va pour cela partir de l'endroit où on connaît la pression, et de proche en proche, on va arriver jusqu'au point C. Où est-ce qu'on connaît la pression? On connaît la pression à la surface. Au point A, c'est la pression atmosphérique, pour faire simple, 10 puissance 5 pascal. Donc en partant de A, je vais traverser le fluide bleu jusqu'au point B, et ensuite traverser le fluide rouge jusqu'au point C. J'applique mon principe fondamental de la statique des fluides, PB est égal à PA moins ρg ZB moins ZA, qui me permet de calculer la pression au point B,
Et cette pression au point B, je vais m'en servir dans la deuxième formule, parce que PC, ça sera la pression au point C, moins ρg, ZC, moins ZB. Je m'aperçois que j'ai pris ρ, le même ρ dans les deux cas, mais évidemment que c'est ρ1 et ρ2 ici, ou c'est deux ρ, c'est deux masses volumiques différentes, puisqu'on a changé de fluide, on suppose que l'on change donc de masse volumique. Et comme ça, de proche en proche, donc on peut calculer, à partir d'un point où on connaît la pression, on se dirige vers, en appliquant chaque fois, à chaque interface, il faut s'arrêter, et appliquer le principe fondamental de la statique des fluides, pour arriver au point où ça nous intéresse. Dans les applications de la statique des fluides, on a le principe de la colonne manométrique. Une colonne manométrique, c'est une colonne de fluide que l'on va faire sortir à l'air libre à partir, par exemple, d'une canalisation. Sur le diagramme ici, on voit en Z égale 0 une canalisation horizontale dans laquelle un fluide s'écoule. Imaginons que je veuille mesurer la pression en 1 et la pression en 2, plutôt la différence de pression entre les deux. Mais je vais connecter sur ce tuyau dans lequel circule du fluide, je vais connecter deux colonnes manométriques. Une colonne manométrique dans laquelle le fluide va s'élever jusqu'à l'altitude Z1 et une colonne manométrique dans laquelle le fluide va s'élever jusqu'à l'altitude Z2. Si j'applique mon principe fondamental de la statique des fluides, je vais écrire que P1, la pression dans le fluide qui est dans la canalisation au point 1, est égale à PA plus ρg Z1, la différence d'altitude. Et de la même manière, j'écrirai que P2 est égal à PA, pression atmosphérique, plus ρg Z2. Donc j'ai mes deux expressions, PA plus ρg Z1 et PA plus ρg Z2. Je forme la différence de pression entre les deux, qui se calcule comme étant ρg fois Z1 moins Z2. Donc en mesurant la chute de pression, par exemple, la chute d'altitude, pardon, je peux en déduire la chute de pression à l'intérieur d'une canalisation lorsque je veux mesurer la chute de pression. Par exemple, si mon fluide est visqueux, la pression elle va diminuer en fonction au fur et à mesure du mouvement du fluide à l'intérieur. Et donc, dans les colonnes manométriques qui sont connectées sur cette canalisation principale, je vais voir le niveau qui va descendre. Et en calculant, en mesurant de combien il descend, je peux en déduire la chute de pression à l'intérieur de la canalisation. Donc ce principe de colonne manométrique est utilisé en TP. Qu'est-ce qui se passe si le fluide est compressible? Par exemple, un gaz, et prenons le gaz comme gaz, l'atmosphère. Mais ça complique la situation assez sérieusement. Pas sur le principe fondamental de la statique, parce que c'est le même, dp est égal à moins ρg dz, mais au moment de l'intégrer, ça va être un peu plus coton. Donc, si le fluide est compressible, c'est que ρ n'est pas une constante. Donc ρ ne pourra pas sortir de l'intégrale comme nous avons fait précédemment, et ρ est une fonction des autres variables. Donc il va falloir exprimer ρ en fonction des autres variables, réinjecter dans l'équation différentielle et essayer d'intégrer après. Donc, comme ρ est une fonction a priori de la température et de la pression dans un gaz, on se retrouve avec trois variables, T, P et Z. Et donc on ne peut pas s'en sortir avec une seule équation. Et donc, il nous faut une relation supplémentaire. Donc, on va faire une hypothèse supplémentaire. Par exemple, on peut dire, considérons le cas de l'atmosphère qui est à température constante. Si T égale constante, on va s'en sortir, on va arriver à calculer. Ou bien, le cas où T est égal à T0 moins A fois Z. Z, c'est l'altitude. Donc, c'est une atmosphère qui décroît, dont la température décroît linéairement avec l'altitude. Celle-là est plus réaliste si on veut étudier l'atmosphère. Celle-ci est plus réaliste que la température constante. Mais gardons ici pour démonstration le cas que l'atmosphère est un gaz parfait, isotherme, à température T0. Ben, si l'atmosphère est un gaz parfait à T0, je peux écrire que la pression, c'est l'équation d'état des gaz parfaits, j'écris PV est égal à M petit r T, ce qui peut me donner P est égal à rho RT, je fais passer V de l'autre côté. Donc ça c'est l'équation d'état des gaz parfaits, qui me donne une relation entre rho et P. En fait, rho est égal à P sur RT0. Je vais remplacer cette expression de rho à l'intérieur du principe fondamental de la statique. Donc dp est égal à moins ρg dz. Le ρ, je le remplace par p sur rt0. C'est ce que j'ai fait.
Il n'y a plus qu'à intégrer maintenant, il faut reséparer les variables. On voit que P est à deux endroits maintenant, il y a dP et puis il y a P. Donc il faut que je rabatte la pression sur le premier terme de l'équation, ce que j'ai fait. J'ai écrit dP sur P est égal à moins G sur RT0, c'est une constante. G sur RT0 est une constante ici. Moins G sur RT0 dz, on peut intégrer à nouveau. dP sur P va s'intégrer en, je passe quelques étapes de calcul, log de P sur P0, et moins G sur RT0 dz s'intègre en moins G sur RT0 z moins z0, qui est l'altitude H. Et donc, au finish, l'atmosphère isotherme, la pression change, dans l'atmosphère isotherme, la pression change avec l'altitude, avec cette expression, P est égal à P0 exponentielle moins GH sur RT0. Donc en fonction de H, l'altitude, on peut calculer la pression qu'il y aura dans l'atmosphère. Voilà, donc le cas du fluide compressible est juste un peu plus compliqué parce que l'intégrale va être un peu plus compliquée. Mais il faut bien retenir que le principe fondamental de la statique, dP est égal à moins ρ g dz, il marche dans tous les cas.